Ce matin, pour la deuxième fois en deux semaines, le préfet de l'Aube, justement, a réuni les élus concernés par l'installation d'une aire de passage pour accueillir les gens du voyage. Ils lui ont fait savoir leur désaccord pour Ténolière. Ici, ce lieu choisi par le préfet sur le canton de Lusigny. Parmi les arguments, la surface pas assez vaste. Résultat, il va falloir reprendre le dossier et trouver un nouvel emplacement. Les précisions de Marc Brett, l'un des conseillers généraux concernés, à l'issue de cette réunion. Le préfet a réaffirmé sa volonté d'implanter pour le mois de juillet prochain une aire de grand passage pour les gens du voyage à Ténolière. Et l'ensemble des élus présents ce matin ont réaffirmé avec force, avec détermination et fermeté leur opposition à ce projet. Donc pour l'avenir, le préfet nous a donné son engagement de continuer à réfléchir à des solutions alternatives qui pourraient être susceptible de répondre à 100% des problèmes posés, à 100% des besoins. Nous-mêmes, élus locaux, nous lui avons formulé également une proposition à mettre sur le métier de la réflexion. Voilà, donc je dirais que le dossier est toujours ouvert. Et un nouveau lieu est à l'étude, mais pour l'instant, il n'est pas encore rendu public.